Eh hey mais Potrick, mais où est-ce que tu m'as emmené là? Ah, je t'ai emmené dans un endroit un petit peu spécial et un petit peu effrayant parce que pour passer une petite nuit tranquille. Enfin, tranquille. Bah pas vraiment du coup, puisque regarde, tu m'as emmené dans une forêt interdite, c'est ça? Exactement. Non mais tu es complètement malade, j'ai jamais signé pour ça! Ouais, bah de toute façon, tu peux plus repartir. Ah, c'est pour ça que t'as cassé la voiture! Exactement, bah oui, sinon c'est pas drôle. Et puis, me dis pas que t'as peur en plus. Mais non, j'ai même pas peur. Tu sais que moi, dans ma vie, j'ai déjà combattu plein de monstres tels que Yugi, les Rainbow Friends, Mercredi, Garden of Bapan, et plein d'autres monstres comme Sirened et tout. Donc, tu crois que c'est une petite forêt comme ça qui va me faire peur ou quoi? Ouais, mais peut-être que dans cette forêt, on trouvera des petites surprises. T'es en train de me dire que c'est beaucoup plus dangereux là que Oh, d'habitude? ouais, non, allez, viens, on va installer le campement. D'accord, ok. Bon, là, on peut voir qu'il y a pas mal d'animaux et tout. Bah, attends, mais du coup, c'est quelle forêt? Attends, on va voir celle-là. Il est D'accord. censé y avoir écrit forêt interdite ou quelque chose comme ça. Bah, là, pour l'instant, a priori, j'ai pas l'impression que ça a l'air d'une forêt interdite. Puisque d'habitude, les forêts interdites, tu sais, ils sont un peu barricadés. Il y a marqué des, je sais pas, des panneaux interdits et tout, tu vois. Ouais, je vois. Ah, mais attends, bah attends, il y avait une autre forêt là-bas. Attends, on va aller Ouais, voir. bah attends, juste je vérifie, peut-être que ça se trouve, il y a un panneau caché. Non, ok, bon, bah, pas de panneau de ce Non. côté-là. Ouais. Donc on va essayer de voir de l'autre côté, puisque c'est vrai que de l'autre côté, j'ai vu quelque chose, comme des panneaux et tout. Bon, on va aller voir Ah ça. oui! Effectivement, les amis, on peut voir qu'il y a des panneaux avec des panneaux sens interdit, non? Ouais. Il y a des barricades et tout. Ouais, ok, Ça a bah. l'air d'être là. Tu penses que du coup la forêt interdite elle est bien là? Ouais, je pense. Allez, c'est parti! Ok, bon bah les amis, je sais pas du tout si c'est une bonne idée de rentrer à l'intérieur ou pas, mais si vous voulez que j'en ressorte vivant, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Et si vous voulez que je fasse une vidéo dans la vraie vie où je vais dans une forêt interdite durant la nuit, je vous invite à mettre 5000 pouces bleus les amis. Ok, c'est parti. Bon, juste, attends, on vérifie bien si c'est bien la forêt interdite. Ça m'a l'air d'être bien barricadé. Donc je pense que c'est bien la forêt interdite où nous devons vraiment pas y rentrer. Ouais, ça m'a l'air d'être exactement ça. Jusqu'au fond, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, la forêt. Attends, mais t'es passé où, Patrick? Toi, t'es passé où? Mais je suis à l'entrée! Ah, t'es à l'entrée. J'arrive. Patrick, il est parti sans moi, non, mais y a pas de ça. Ok, ah, t'es là. Ok, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu m'avais laissé. Non, t'inquiète. Bon. T'aurais pas une petite carte pour voir à quoi elle ressemble, voir si elle est grande ou pas? Une carte. Bah oui, en plus faudrait pas qu'on se perde à l'intérieur. Oh, de toute façon, tu sais, tous les chemins mènent à la sortie, de toute façon, on trouvera toujours une échappatoire. On n'a pas besoin de carte. Non, 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 moi je veux quand même absolument une carte, hein, puisque sinon je rentre pas à l'intérieur. Hein. Bon, d'accord, alors, hop. Allez. Alors, tu vois, donc là, en fait, là, Non, il y a une l'air vraie carte d'avoir un trésor. dans la main, que moi je veux voir dans la main, la carte, tu sais, avec la forêt et tout. Alors, moi, je vais être honnête, il n'y a aucune carte. T'es sérieux? Oui. Cette forêt, elle n'est pas du tout cartographiée et personne n'y est jamais entré. Mais t'inquiète, on va passer une merveilleuse nuit. Ah ouais, on la trouve même pas dans Google Maps et tout. Non. Oh, mais imagine, on rentre à l'intérieur, il nous arrive quelque chose, on pourrait même pas appeler les secours. Non, t'inquiète, ça va, tranquille. Ouais, bah, pas tranquille, pas vraiment tranquille, hein. Bon, c'est parti les amis. Voilà, on va rentrer à l'intérieur, puisque je suis quelqu'un de quand même courageux. Mais on va quand même tout de même rester ensemble, ok? Ouais, d'accord. Ok. Bon les amis, comme vous pouvez le voir dans On mon s'installe inventaire, quand? je suis pas tout à fait. Enfin, je suis un tout petit peu équipé, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai mon sac de couchage, j'ai ma petite tente et j'ai mon petit feu de camp. Si jamais on a froid, évidemment, je pense qu'on risque d'avoir froid, vu qu'on est quand même en hiver. Allez, bon, c'est parti, on essaie de voir si on voit quelque chose. Bon, à peine rentré les amis, on peut voir qu'il y a déjà des trucs de torture. Ça, c'est pas pour mettre sa tête. Si, si, on met sa tête et puis la personne elle est bloquée. Oh, c'est horrible. Tu penses qu'il y a des cadavres ici? Bah, peut-être qu'on va en trouver, j'en sais rien. C'est une forêt interdite après tout, faut bien se demander pourquoi elle est interdite.
Bah, si elle est interdite, c'est pour pas qu'on rentre à l'intérieur et qu'il y a forcément des choses assez étranges. Oui. Bon, ici les amis, on peut voir qu'il y a un feu. Attends, il est toujours allumé. C'est que forcément quelqu'un est peut-être dans les parages, non? Peut-être. Wow, bon, c'est pas super rassurant. Bon, on va quand même continuer à avancer. Tu me dis si tu vois quelque chose. Attends, pousse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Patrick? Tu sais quoi? Moi, je vais aller chercher de l'eau à l'extérieur de la forêt. Hein. Allez. Patrick, non, mais reste ici! Non, certainement pas. Oh, les amis, Patrick Snap, il vient de littéralement me laisser tout seul. Je crois qu'il a eu la peur de sa vie. Bon, les amis, je vous mens pas que je commence quand même un tout petit peu trembler, puisque je vois quand même des cadavres et tout. Je vais essayer de me trouver quand même un bel endroit, les amis. C'est quoi ces bruits-là? Vous voyez quelque chose? Attendez. Oh, mais... Oh! Il y avait quelque chose! Les amis, il y avait quelque chose derrière l'arbre! Attendez, on va aller voir. Hop. Il y avait quelque chose ici. What? Les amis, on a bien vu quelque chose, non? Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien vu un personnage. Et si jamais vous l'avez reconnu, bah dites-moi son prénom dans les commentaires. Oh, Patrick! Ouais, c'est bon, je suis allé chercher de l'eau, tu veux un peu d'eau? Oui, je veux beaucoup d'eau. Mais tu sais, j'ai vu quelque chose de bizarre. Ah bon? Qu'est-ce que t'as vu? Pourtant, cette forêt n'a pas du tout l'air bizarre. Bah si, j'ai vu un personnage bleu avec des dents bizarres. Bah, n'importe quoi. Tu sais quoi, je pense que c'est juste que t'avais vraiment besoin de boire. Oui, bon, c'est peut-être possible. Bon, merci, heureusement que l'eau, elle m'a fait du bien. Allez, ça te dit qu'on trouve vite un endroit pour dormir, puisque là, il commence à faire nuit. Hop. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bien. Par là, là, c'est bien, non? Où ça? T'es où? Je suis à la même endroit, Patrick. Ah, ok, j'arrive. Ok. Faudrait quand même se mettre en plein milieu de la forêt, sinon c'est pas drôle. Ouais. C'est vrai, t'es pas bête. Allez, hop, c'est parti, je te suis. On peut voir que les arbres sont bien énormes. On dirait Pandora. Hein. Patrick! C'est quoi cette forêt? Mais t'inquiète, non, mais tu sais, voilà, c'est bientôt Halloween. Enfin, dans plusieurs mois, beaucoup de mois, mais... Ouais, bon, j'ai bien l'impression qu'il fête Halloween un peu tous les jours, la personne qui habite ici. Hein. Ouais. Ouais, bon, je pense que l'endroit idéal, ça serait plutôt de s'installer ici, là, non? En plein milieu, là. Ouais, c'est vrai, ça serait pas mal. Ouais. Attends, je vais casser un peu tout ça. Ouais, bon, ce qu'on va faire, c'est que les amis, moi, je vais récupérer un tout petit peu de bois. Toi, ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu pourrais... Ah oui, tu peux aller chercher du charbon, s'il te plaît? Ah, mais oui, ah, bah oui, c'est vrai, c'est pas bête, ça. Ouais, ok. Bon, les amis, moi, je vais commencer à récupérer un tout petit peu de bois, comme ça on va se faire du bois, on va se faire notre petit feu de camp. Hop, c'est parti. Les amis, je rentends du bruit, des bruits, je sais pas d'où ça vient. Bonjour, Zetina. Au fond, regardez, il y a des dents bizarres. Il y a des dents bizarres. Attendez, on va essayer de s'approcher sans qu'ils nous voient. Hop, ok, on fait pas de bruit. Oh non. Il a disparu, je sais pas où est-ce qu'il est. Patrick? Non, j'ai ramené du charbon. C'est toi, Patrick? Ouais, c'est moi, je suis à l'endroit où on établissait le camp. Non, on établissait le camp... Bah attends, je me suis perdu. Je crois qu'on établissait juste ici. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bon, Patrick, tu vas pas me croire, mais je crois que j'ai revu le méchant personnage qui habite ici. Ouais, c'est pas normal. Pourtant, il est censé y avoir personne qui habite ici. Mais si, forcément, si c'est une forêt interdite, c'est que forcément, il y a des monstres qui habitent ici. C'est... Ouais, c'est vrai. C'est pas bête, ça. Et je pense avoir revu le monstre. Ça te dit, sinon, on essaiera de le trouver, ou bien on dort, et puis on s'en va demain, rapidement. Ouais, je pense que l'idéal, ce serait plutôt de vite se barrer d'ici. En plus, je sais même pas comment on fait pour sortir, puisqu'on est en plein milieu de la forêt, maintenant. T'inquiète, on sortira pas, on dort d'abord ici, c'est moi qui ai décidé. Bah, on est obligé de passer la nuit, hein, puisque là, sans lumière et tout, je pense pas qu'on va pouvoir traverser la forêt, hein. Ah oui. Tiens, en parlant de lumière, hop. Ok, merci. Bon, moi aussi j'ai un peu de bois. J'imagine qu'il nous faut... Ah bah attends, tu sais quoi, hop, je vais placer la tente juste ici, hop. Voilà, et mon sac de couchage juste à côté, hop. Parfait. Je vais décaler le feu de camp. Ouais.
Ok, parce qu'il faudrait pas quand même qu'ils prennent feu. Ok, bon, ce qu'on fait, c'est que tu te mets de garde et moi je commence à me reposer un tout petit peu quand même. Vas-y, vas-y, on fait ça comme ça. Ok, ça marche. Bon bah les amis, moi je veux me reposer pendant que Patrick il fait la garde. Allez, c'est Ouais, parti. je vais monter sur les arbres pour mieux regarder. Ok. Bon, les amis, je crois qu'il est actuellement 4h du matin. Et c'est mon tour de garde. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il est passé, Potrick. Potrick? Potrick? Attendez, mais... Potrick, où est-ce qu'il est passé? Potrick? Attendez, les amis, j'entends du bruit. Vous voyez quelque chose? Ah! Attendez, au-dessus! Il y a encore la créature de tout à l'heure! Peut-être que la créature de tout à l'heure a peut-être fait du mal à Patrick Snap et je suis à présent peut-être tout seul dans la forêt. Non, en plus j'ai aucune arme, j'ai rien du tout. Bon, je vais vite me farmer quand même une petite arme. Oh, le monstre il est là. Oh, bon, attendez, vite, je vais me farmer vite une petite arme, une petite épée. Bon, je vais transformer tout ça en bois. Hop, je me fais un petit établi. Bouge de là le cochon. Hop, je me fais des bâtonnets et voilà mon épée en bois les amis. Ok, j'ai ma petite épée en bois. Ok. Maintenant, il va faire moi le malin. Où est-ce qu'il est, le monstre? Allez, je sais pas. Ok, le voilà. Ok, je vais aller le voir. Oh, je crois qu'il était ici. Il était vers là. What? Il a disparu. Attendez, je crois que je l'avais vu. Il était passé par ici, le monstre. Non. Derrière toi. Oh, il est là, il est là. Ok. Je vais vers lui, je vais vers lui. Ok. Au revoir. Mais je sais pas ce qu'il fait. Pourquoi il se cache tout le temps derrière les arbres? Je crois qu'il est derrière cet arbre, les amis. Où est-ce qu'il est passé? Mais je comprends pas. Ah, le voilà! Ok! Viens là! Viens là! Il a encore disparu. Je crois qu'il a disparu vers ici. Bon, je crois que c'est quand même bizarre. Il a disparu, les amis. En plus, il fait plus aucun bruit. Bon, je crois qu'il m'a emmené. Je sais pas du tout où est-ce qu'il m'a emmené. Mais... Ah, oh, attendez! J'ai l'impression qu'il me trappe là. Ok, on a une trappe. Oh! Peut-être que c'est sa base en dessous. Bon, les amis, je pense que c'est probablement sa base qui est juste en dessous. Il va falloir que j'y accède. Mais pour accéder à l'intérieur, comment je peux faire? Il va falloir que je trouve un levier. Un levier, les amis. Tu as besoin d'aide? Ah, il est juste en dessous. Tu cherches quelque chose, peut-être? Oh! Oh, qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est toi qui as capturé Patrick Snap? Oh! Il m'a lâché le levier. Je comprends pas, c'est peut-être un piège, non? Pourquoi il m'aurait laissé? Non, je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Bon, bah les amis, je pense quand même à l'intérieur. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée, mais on va tout de même rentrer à l'intérieur puisque peut-être que Patrick Snap est à l'intérieur. C'est parti. Hop. Comment t'as fait? Alors, tu es rentré finalement? Bah oui, mais où est-ce qu'il est, Patrick Snap? Et toi, qui es-tu? Je suis Nap-Nap. Nab-Nab. Mais attends, on s'en serait pas déjà vu il y a quelques jours? C'est possible, je t'avais mangé. Mais oui, mais t'es de retour! Et du coup, c'est toi le gardien de cette forêt? Eh oui. Et qu'est-ce que tu as fait à Patrick Snap? Il a disparu. Il a disparu. Comme toi, tu vas bientôt disparaître. Attends, tu as trois épées? Oui. Non, 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 mais attends, rassure-moi, qu'est-ce que tu as fait à Patrick Snap? Ne t'inquiète pas, il va bien, tu le retrouveras bientôt. Non mais plus sérieusement, moi je pensais qu'il était à l'intérieur. Dis-moi vite où est-ce qu'il est, sinon je te coupe en mille morceaux. Je me demande bien qui c'est qui va couper qui avec ton épée en bois. Ok, bon bah je me rends. Tiens, je te passe l'épée. Juste, ce qu'on fait, c'est qu'on quitte les lieux, mais juste si tu veux que je quitte les lieux, rends-moi Patrick Snap et je me barre avec lui. Ça pourrait être une bonne offre, mais dans ce cas-là, moi j'ai rien vraiment en échange. Tu pourrais quitter les lieux, mais je pourrais aussi te manger. Non. On pourra faire ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, j'accomplis ta mission, je prends Patrick Snap avec moi et on se barre de cette forêt et plus jamais on vient te déranger.
Très bien, alors dans ce cas, tu vas aller me chercher de la viande. J'ai besoin de viande, car si tu veux pas que je te mange, alors va falloir aller chercher de la viande. Ok, ok, bon, bah je vais aller chercher de la viande. Mais du coup, dis-moi, où est-ce qu'il est, Patrick? Patrick, tu le retrouveras à l'entrée une fois que tu m'auras cherché la viande. Ok, ok, bon, je vais te chercher de la viande. Bon, les amis, je vais tout de suite aller lui chercher de la viande. C'était vraiment une mauvaise idée de venir ici. Ok, on a un cochon qui... Quoi? Alors lui, c'est un ouf. Il utilise ma place comme ça. Bon, là, j'ai un peu de porc. Je vais voir si on n'a pas d'autres viandes, les amis, de ce côté-là. Non, on n'a rien du tout. Ah, là-bas, il y a une vache. Ouais. Ah, ici, on a encore un peu de cochon. Ok, je pense que... Si je le bute lui... Allez, hop, je suis désolé, hein, je suis désolé, cochon. Ok, on a 6 côtelettes, les amis. J'espère que les 6 côtelettes suffiront largement. Et je pourrai enfin partir avec Patrick Snap d'ici. Ok, alors, je remonte. Je sais pas où est-ce qu'elle était, la base. Probablement vers ici. Si je me trompe pas... Allez, ici, ok. Heureusement que j'ai une bonne mémoire. Ah, on a un peu de viande de vache. Enfin, on a du veau. Viens là, viens là, viens là, viens là. J'ai besoin de toi. Merci. Ok, super. Ok, je redescends. Qu'est-ce qu'il fait? Désolé, j'étais en train de lécher les os. Alors, ouais. Tu m'as rapporté ma viande? Oui, 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 tiens, 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 j'ai ta viande, voilà. Nya, enfin de la viande. Ok. Bon, maintenant, dis-moi où est-ce qu'il est, Patrick Snap? Patrick, tu le retrouveras à l'entrée, mais dépêche-toi de t'en aller. Ok, ok, je m'en vais. Ok, je m'en vais. Okay. Dépêche-toi. Bon, j'en profite pour l'enfermer. Ok, super. Bon, les amis, apparemment, Patrick Snap serait déjà à l'entrée. Apparemment, il serait ligoté ou je sais pas. Il va falloir que je retourne sur mes pas. Donc, on est arrivé ici. Alors, je vais juste enlever le campement. Hop, voilà, on enlève tout ça. On enlève également le feu. Allez, hop, on éteint le feu. Faudrait pas que ça prenne feu quand même. Et Patrick Snap serait... À l'entrée. Oh, The Cheeseman, t'es où? J'arrive. J'essaie de retrouver l'entrée. Je crois que c'était vers ici, si je me trompe pas. C'est probablement par ici. Oh, je te vois. Tu me vois? Je suis là. Coucou. Où ça? Ah, ah, tu me fais peur. Ah, Patrick Snap, du coup, il t'a libéré? Oui, c'est bon. Oh, il aura vraiment flippant. Plus jamais je reviens dans une forêt. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? Il m'a ligoté et après il m'a torturé. Oh bah vas-y, viens. Vite, on style d'ici parce que j'ai eu un... On s'est entendu tous les deux. J'ai fait sa mission et maintenant il nous laisse tranquille. D'accord, viens, on se dépêche. Vas-y, viens, on se barre. Ok, bon, plus jamais on revient ici. Hein. Plus jamais de ma vie, je remets mes pieds ici. Hein. Allez, je me taille. Jamais. Ok, bon, si t'as encore une idée comme ça, bah tu l'as fait sans moi, ok? Ouais, bien sûr, moi je vais aller tout seul dans une forêt comme ça, t'es malade, plus jamais j'y retourne. Ouais, bah moi aussi. Maintenant, comment on fait pour retourner à la maison, puisque t'as détruit la voiture? J'ai détruit, c'est toi. Après, depuis le début, c'est toi, tu voulais qu'on aille dans cette forêt. Allez, oh. Ciao. Oh, espèce de menteur. Oh, le grand menteur, depuis le début, c'est toi qui voulais y aller ici. Pas du tout. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, bah les amis, on va vite se barrer d'ici avant que Nab réapparaît. Allez, on se barre.